Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la vidéo farming de l'event de type 0 évasion de la capitale impériale. Et comme j'avais l'impression de ce fait-là sur l'event précédent de farm, eh bien malheureusement ça se confirme bien, nous n'avons plus d'accès à la quête légendaire une fois sur la seconde semaine. Malheureusement. Alors pour quelle raison obscure ça n'est plus mis? J'en ai strictement aucune idée. Donc ben, dans l'idée, ben, voilà ce que on va juste ben, faire du farm avec vous et puis aller faire le petit tirage de ticket habituel sur la bannière du étoile garantie et puis c'est tout hein, finalement. Voilà, donc toutes les données sont affichées comme à l'accoutumée, il n'y a pas de surprise dans les gains par type de difficulté. Donc, dans l'idée, ça évolue pas. Bon, ben, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter dessus. Hein. Voilà, ça change pas du tout les taux de. Les taux de loot par type de niveau, les petits gains minimum et maximum de l'ensemble, bref. Pas de vraie surprise en l'état, mais au moins c'est là. Voilà, donc du coup, deux curls de combat, forcément, ben, c'est 2000. Hein. Mais du coup, et dans l'idée, on peut monter ben, avec deux vagues de combat avec trois curls chacune. Du coup, du 6000 de base, plus les bonus qui peuvent monter, si ça que les unités du moment à toute cette étoile, c'est du 1200% de plus. Hein. Ce qui est quand même un gain, voilà, du coup 13. Donc c'est à 6000 de base. Ça fait plus de 80 000 sur un seul sur une seule quête s'il y a 3 curls sur les deux premières vagues. Ça fait quand même plutôt plaisir, c'est pour ceux qui seraient dans une telle configuration et qui aurait cette chance infinie de réussir à avoir un combat avec les deux premières vagues, trois curls. Et ça doit être tellement rare que ça arrive que ça a dû arriver pour une personne sur 10 millions, peut-être, au million, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai bien vu, non, jamais, ça n'est pas arrivé non plus. Je crois que moi ce que j'ai vu c'était quoi? Du coup deux vagues de bonus avec une 3 curls et l'autre après juste deux bombos. Bon ça fait quand même un beau petit package hein, mais. Voilà, j'étais pas sur le maximum sur le potentiel maximum obtenable quoi. Mais bon. Ça pour le choper à mon avis c'est extrêmement rare donc et ça hein, de toute façon hein, c'est. Et tout ce qu'il en est. Hein. Voilà, du coup, comme vous avez pu voir, oui, effectivement, par rapport à d'anciens events. Au niveau du tournage de la vidéo pour le farming, j'ai plutôt bien avancé dessus. Bon, pas au point d'avoir les deux tickets de dispo pour la vidéo, mais dans l'idée ça va. Je viens que certaines semaines où j'arrivais du coup sur la seconde semaine où j'étais même pas arrivé encore aux 30 000 de base pour le premier ticket 5 étoiles. Donc ça craint un peu quoi.
dans l'idée de même pas être sur le premier palier, sur le premier des deux tickets 5 étoiles garantis sur un event farming, bon. Ça sent que ça n'a pas été très régulier sur l'event en lui-même. Hein. Mais bon, après, il faut faire avec. On fait avec. Les aides de la vie. Donc si... imprévisible. Bon, de toute façon, dans l'idée, là, il y a du bonus à gogo, donc on en profite. Bon, par contre, pas forcément été trop chanceux sur les vagues de mob adverse, mais bon. Bon, deux bonbons dorés, ça permet de compenser un poil le manque à gagner, quoi. Voilà, et du coup, la dernière, avant d'aller... il va bien. Que pour le dernier il n'y aurait pas de bonus. Ça aurait été trop simple pour lui. Voilà, au moins on aura fait le tour, on aura vidé l'endurance, en tout cas, on n'en parle plus. Oui, donc ça, on avait fait le tour des récompenses ici. Il me semble. Après, bon, de toute façon, dans l'idée, pour au niveau farming, c'est pas ce qui nous intéresse de savoir les choses à obtenir grâce aux points. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut prendre absolument? Donc, comme d'habitude, le prisme pour l'unité gratuite. Sinon, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir récupérer sa version 7 étoiles. Hein. Les moques de confiance, ça peut s'en passer, hein, clairement.
Les super mocs de confiance attendent d'avoir les 600 000 de base pour tout prendre d'un coup. Sinon, clairement, éviter. Hein. Les recettes, bon, pour les personnes qui sont assez avancées, ça va pas changer grand-chose pour votre team. Par contre, pour des joueurs plus récents, ça peut vous dépanner le temps d'obtenir d'autres armes sur les récompenses de confiance ou d'autres events. Après, sur le principe de quand même prendre des recettes pour pas qu'elles soient absentes de quand ça va avoir le listing des différentes recettes de création. Après, vous faites ce que vous voulez. Mini Vampinator, du coup, ordre de priorité, donc les classiques, les rois Mini Vampinator niveau 1, puis les Méga Vampinator, et en dernier lieu, les niveaux max de rois Mini Vampinator. Les repos de limite, on s'en fiche. Hoc de confiance, ça peut prendre tout sauf les 1%, parce que ça revient trop cher. La tour de Gilkeon qui est toujours gratuite pour avoir des sous en plus. Après, famille de Gilkeon, ça peut être sympa pour refaire du dessus quand ça en manque. Ensuite, les matériaux d'éveil, en fonction de ce qui vous manque également. Hein, ça... Et du coup, de que trop vous conseiller de voilà, de voir qu'est-ce qui vous reste et ce que vous avez vraiment besoin. Les cartes, ça peut. Je pense que suivant les petites choses qui pourraient vous manquer, ça peut être intéressant, mais sinon de base de pas plus. Les Christs, ben, en fonction de ce qui vous manque, on va finalement pour finaliser les personnages qui ont des éveils d'aptitude, de compétences plutôt. Voilà, et puis ben, pas grand chose de plus à signaler là-dessus. Hein. Bien malheureusement. Allez, on va finir par le petit tirage sur le 5 étoiles garanti. Voilà, et le second, eh ben, je le ferai de mon côté en solo, bah, c'est pas grave. Et attention, qui va sortir? Bon, normalement, ça peut pas être le lead de toute dernière unité qui est arrivée, donc c'est ça qui est. Regina, ok. Pourquoi pas? Et donc c'est là-dessus que je vous laisse pour cet épisode de Farm. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures sur Bravegus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.